Un concert spirituel en prélude à la célébration de la fête des moissons édition 2022 de la paroisse Saint-Mathieu de Pau-Paracou. Humoriste, des chanteurs de renommée et la chorale grâce divine de la petite paroisse ont fait de merveilles. Là où que tu n'es pas sévé, on a déposé les mamans de dépôt devant toi. Il faut envoyer ton ange Saint Raphaël. Il n'a qu'à partir pour les faire. Un spectateur donne ses impressions et ses sentiments sur la soirée. Dopena patakina papa chargé là. Donc mon nom est organisé nous là normal dilé et jedo. Bon mon les melokoko comme artiste et invité les moi. Mais nous qui quoi et nyala de bois do wedu tole du kanji comme il faut. Et nous faut tole ho no kanji ho kanji. Mais de quoi je suis oui. Todo el mundo me toca.
Des sentiments de joie qui s'affichent sur le visage du maître de chœur Lida Gborogbe Louis et bien d'autres. Et c'est de la joie que nous avons reçue ce soir-là. Et cette joie est vraiment partagée. Nous avons commencé dans une bonne ambiance et nous l'avons également terminé dans une très bonne ambiance. Nous avons reçu l'accompagnement de l'Esprit Saint et nous ne pouvons que donc rendre grâce à Dieu. Et c'est Dieu qui a pris l'honneur et que tout ce que nous avons fait aujourd'hui, vraiment que les bénédictions jaillissent sur tous ceux qui sont arrivés ce soir-là pour donner la joie à notre soirée. Et c'était très bien, j'ai apprécié. Je pense que Dieu a pris la gloire. Dimanche 30 janvier 2022, place au kit d'action de grâce de la dite paroisse suivi de la vente de charité en l'honneur de Dieu. Des éminents responsables de l'église ont répondu présents. Je vous dis, la deuxième personne est la fédération chacun. Il y a King of Victory. Chant, adoration, louange et de grâce ont été le partage de tous les fidèles présents. Ce que vous êtes, ce que nous sommes aujourd'hui, on serait peut-être meilleur que ça. Lorsque nous avons fini de détruire ce qui nous détruit, lorsque nous avons fini de détruire ce qui nous détruit, qu'est-ce qui nous détruit? C'est les autres qui nous détruisent. Le problème des autres qui nous concerne, c'est ça qui nous détruit. Et ça nous, quand tu as le problème des autres, tu oublies nécessairement Jésus-Christ. Alors, il faut mettre ça de côté et accepter Jésus-Christ dans sa parole. Les fidèles de la paroisse donnent leurs impressions. Vraiment, les impressions sont très bonnes parce que c'est la première fête de l'année dans la région Borgou. C'est la toute première paroisse qui est en train de fêter. Et vu l'ambiance qui est en train de prévaloir dans l'enceinte de la paroisse, nous voyons que vraiment ça augure que l'année 2022 sera une année de grâce et de bénédiction pour tout chacun de nous. L'Éternel Dieu nous a aidés. Je pense que chacun, petits et grands, tous n'ont ménagé aucun effort pour que cette fête d'action de grâce, cette fête de moisson puisse avoir lieu. Et l'Éternel par sa bénédiction divine, je crois que vraiment la moisson est là. Chacun est venu, chacun repartit avec quelque chose, beaucoup de fruits, beaucoup de bénédictions pour tout un chacun. Je suis très impressionné parce que je ne m'attendais pas. Ça a été bien commencé et ça va bien terminer. Ainsi prend fin la fête des moissons édition 2022 de la paroisse Saint-Mathieu de Pau-Paracou. À l'année prochaine pour l'édition 2023.